chers amis de TV West, de venir ainsi à la rencontre de nos passionnés des engins agricoles autour de cette grande fête populaire, de cet événement devenu incontournable ici à Varennes-sur-Loire. Il s'agit bien de la fête des battages, une fête des battages qui existe depuis 25 ans et qui nous offre la possibilité, chers amis, eh bien de découvrir la manière dont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents travaillaient ici même et ailleurs. Et on est ravis de voir que eh bien, les spectateurs viennent de tout le département découvrir ces ouvriers agricoles d'autrefois. Eh bien, au moment où je vous parle, il y a évidemment une batteuse qui fonctionne. Elle date tout de même des années 30. Elle marche, elle réalise pour nous des moissons et des ouvriers, des bénévoles sont passionnés et la font fonctionner en ce moment même. Eh bien voilà un événement qui existe depuis 25 ans et qui connaît un véritable succès fulgurant ici à Varennes-sur-Loire. Thank you.
Merci d'être avec nous, Alain Lechat. Alain Lechat, vous êtes le président du comité des fêtes de Varennes-sur-Loire depuis de nombreuses années ? Depuis 18 ans. 18 ans, 18 ans de présidence de ce comité, pourquoi ? Bon, bah, ça se trouvait comme ça, et puis il faut un responsable. Et, donc, et puis il y a une bonne équipe, donc ils m'ont dit, bah, Alain, ça te va bien, alors ça continue. Bien, puisque ça vous va bien, on en est ravis pour vous, Alain. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi cette fête des battages ici à Varennes ? Bah, disons, on voulait retracer un peu l'histoire du battage à l'ancienne dans les fermes, hein, pour que les jeunes voient un peu comment ça se passait, quoi. C'est important. C'est important pour vous, Alain, de transmettre. Oui, oui, l'image qui se passait il y a 50 ans. Hein. Tout gamin, j'ai connu ça, voilà, oui. Vous-même, vous avez connu ça. Oui, oui, oui. C'est toujours avec un peu d'émotion que vous voyez ces engins fonctionner. Ça fait plaisir, et puis. C'est bien du fait qu'on voit que ça répond, il y a de la présence, il y a du monde. Alors le monde justement, il est venu, on a quelques milliers de personnes, c'est un succès qui ne désemplit pas. Comment vous pouvez expliquer un tel succès, Alain ? Je ne sais pas, les gens aiment bien se retrouver un peu dans l'ancien. C'est une histoire de nostalgie ? Voilà, ça, nostalgie, oui. Ouais. Ben, c'est avec nostalgie qu'on va justement pouvoir apprécier, mesdames et messieurs, un engin agricole avec un autre spécialiste, cette fois-ci des tracteurs. Jean-Marc, on est à côté d'un autre moteur. De quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est un moteur fixe, un moteur Millau. Un moteur Millau ? Voilà, Millau. Français, donc ? Français. Oui. Et qui est des années 1910. Quel était son usage, principalement, à l'époque ? Le même que le CLM, d'entraîner un moulin farine ou un banti ou une petite batteuse. Ça fonctionne à partir de quel carburant ? Alors là, c'est de l'essence. De l'essence, comment vous faites pour trouver de l'essence ? Bah, l'essence chez le pompier. De l'essence traditionnelle ? Oui, oui, l'essence à voiture qu'on a actuellement. Ah ok, ça fonctionne avec ? Oui, 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 tout à fait, il n'y a pas de problème. Et comment nos ancêtres, si je puis dire, nos grands-parents, faisaient-ils pour supporter ce bruit, cette pétarade ? Et puis cette odeur, c'était quand même pas le grand confort. Hein. Ah non, non, fallait être mécano en même temps. Parce qu'il y a toujours des petites pannes, il fallait bien connaître son moteur. Quoi. Il fallait savoir un petit peu trifouiller tout ça. On n'était pas forcément dépendant d'un mécanicien. Ben non, 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 les gens se débrouillaient beaucoup par eux-mêmes. C'était un modèle assez répandu ? Je pense à l'époque. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'aujourd'hui un moteur comme celui-ci, compte tenu de sa rareté, est-ce qu'on a une idée de son coût ? Quel est son prix aujourd'hui ? Bon, après, ça dépend, hein, ça va... C'est pas facile à dire, ça peut être soit on le donne ou il peut être vendu, voilà. Pour une bouchée de pain. Voilà, beaucoup n'en font don à des musées, histoire qu'ils partent pas à la ferraille, parce qu'après il faut trouver la personne qui est intéressée. Quand vous l'avez acquis, ce moteur, il était en quel état ? Alors il a toujours été à l'abri et il était à Saint-Rémy-la-Varenne celui-là. Et quand les gens vous le remettent, quel est leur état d'esprit ? Vous le remettez avec plaisir, avec regret ? Non, mais ils sont contents parce qu'ils savent qu'il va être entretenu et qu'il va refonctionner. Et qu'il va avoir une autre vie. Eh bien, c'est là tout l'intérêt de cette fête des battages ici à Varennes-sur-Loire. C'est la résurrection, en quelque sorte, de nos engins agricoles qu'on doit à des bénévoles comme Jean-Marc Lechat. Il n'est pas le seul à être présent ici aujourd'hui à l'occasion de cette fête de Varennes. Et je vous propose, mesdames et messieurs, chers amis de TV West, eh bien, de continuer à découvrir d'autres engins. Et qui donne des coups de marteau, et voilà. Qu'est-ce qui se passe, il y a un problème ? Alors ça c'est du... comment dire ? C'est de la réparation provisoire. D'accord. Parce que là on n'a pas tout ce qu'il faut, mais c'est histoire de... Si on qu'est-ce peut... qui est cassé ? Qu'est-ce qui est cassé, là, Jean-Marc ? C'est à l'endroit où... à l'aspiration des balles de blé. D'accord. Donc pour l'instant là on répare comme on peut pour que ça puisse marcher. Voilà, mais d'accord. Pour la prochaine fois on va refaire tout l'ensemble.
donc, Jean-Marc, que vous êtes passionné par les engins agricoles. Oui, 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 je collectionne depuis une trentaine d'années. Vous admettrez, mon cher Jean-Marc, qu'il y a quand même un peu plus facile à collectionner. Pourquoi pas des porte-clés? Pourquoi des tracteurs? Sûrement, c'est moins encombrant les porte-clés, mais bon, c'est comme ça, quoi. Le tracteur, c'est une passion qui est née comment? Pas seulement les tracteurs, c'est aussi les vieux outils. Mais bon, les tracteurs, c'est ce qu'on trouve pratiquement le plus facilement. Voilà. Les tracteurs qui sont derrière vous, vous appartiennent? Alors, pas tous, mais j'en ai quelques-uns. La Nomag. Oui. Le Farmal, le Super FCC. Ensuite, il y a la Société Française qui entraîne la batteuse. D'accord. Et ces tracteurs, vous les avez trouvés où, Jean-Marc? Dans la région. Dans la région? Oui, ouais, aux alentours, dans les communes voisines ou voire départements voisins, mais pas plus loin. Ils étaient en quel état quand vous les avez trouvés, ces tracteurs? Bon, bah, y en a qui étaient dans un triste état. C'est vous qui les avez remis au goût du jour, en état de fonctionnement? Oui, oui, oui. Mais d'où vous viennent les connaissances? Comment vous avez su la manière dont il fallait faire pour les réparer? Avec des anciens qui connaissent la mécanique de cette époque-là. Et puis bon, après, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas d'électronique, déjà. Ça, c'est le principal. D'accord. C'est un passionné, Jean-Marc Lechat, vous l'avez bien compris. Alors, il collectionne ses engins d'autrefois, il les remet en état. Ça a l'air facile quand on vous écoute, Jean-Marc? Bon, oui, c'est comme si... Oui, c'est... Bon, après, il faut connaître un petit peu, mais bon, c'est... Eh bien, ici à Varennes-sur-Loire, mesdames et messieurs, laissons-nous charmer par ces engins d'autrefois et surtout par ces gens qui sont passionnés de ces tracteurs. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bah, merci. Jean-Marc Lechat, cette fois-ci, vous nous présentez un objet... que dire de cet objet d'ailleurs? Je ne sais même pas si c'est un objet ou un tracteur. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un moteur fixe, un moteur CLM, ouais. La compagnie lilloise des moteurs. Ça sert à quoi, Jean-Marc, un moteur pareil? Là, on le voit en train d'entraîner un moulin à farine. Mais moulin à farine, un banc de scie, tout ce qui pouvait être entraîné par courroie. D'accord, donc son utilité, c'est de faire de la farine? Pour faire de la farine ou scier du bois. Enfin, par exemple? Oui, voilà, tout ce qu'il fallait entraîner par courroie. Il est de quelle époque, ce moteur? 1950 et quelques. Ouais. Et lui, vous l'avez retrouvé où, ce moteur? Alors celui-là, je l'ai récupéré à Vernantes. Donc tout près d'ici, à Vernantes, c'est à quelques kilomètres seulement de Varennes-sur-Loire. C'est curieux quand même qu'on puisse retrouver, Jean-Marc, des engins agricoles à une telle proximité. Quel est l'engin que vous avez été chercher le plus loin? Le plus loin, c'est un... Bah, c'est une... Oui, enfin, on ne peut pas dire que c'est très loin. C'est à Bourgueil, c'est la batteuse. Ça reste à proximité? Voilà, c'est dans les environs. Hein. C'est l'Indre-et-Loire, mais bon, c'est à 20 km. Quoi. Donc en fait, il n'est pas rare de trouver des engins agricoles de l'époque de nos arrière-grands-parents. C'est pas rare. Ben non, parce qu'il y avait des paysans partout. Des fermes, il y en avait des quantités dans les campagnes. Et vous-même, vous êtes fils de paysan? Oui, oui, oui. Et quand vous collectionnez ces objets, Jean-Marc, ces engins, c'est quoi? C'est un souvenir du passé, de votre enfance? C'est la nostalgie de ce que vous étiez petit? Voilà. Non, à la maison, on n'avait pas spécialement que des engins très vieux. Hein. On avait de tout, quoi, mais bon, pas aussi vieux que ça, quoi. Eh bien, on vous laisse travailler, Jean-Marc. On vous remercie infiniment pour le temps que vous nous consacrez pour TV West. Et on va vous regarder travailler, même vous filmer. Merci. Thank you.
Merci d'être là. Amélie, vous avez choisi de venir exposer ici à Varennes-sur-Loire pour ce vide-grenier. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est mon premier vide-grenier et habitant en face à Montsoreau, la fête des battages, ça m'a bien plu comme système. Et voilà, il fait beau, tout était réuni pour passer une bonne journée. Alors, vous êtes venu là pour le plaisir, on l'a bien compris, mais aussi peut-être pour gagner un petit peu d'argent. Eh ben, finalement oui, parce que comme je suis nouvelle habitante à Montsoreau, j'ai pu quitter mon appartement à Paris et du coup profiter de vendre tout ce que j'avais en double en fait. Ben voilà qui est fait. Vous avez bien vendu ? Oui, plutôt, ouais. Vous êtes contente ? Oui, je suis assez contente. On sent que vous avez le sourire. Hein, oui, on va fêter ça. Vous reviendrez l'année prochaine ? Je reviendrai peut-être en tant que touriste, mais un vide-grenier, ça se prépare, c'est long, c'est fastidieux quand même, faut se lever de bonne heure, c'est... voilà. D'accord. Est-ce que ça vous apporte quelque chose sur le plan de la relation humaine, les gens que vous rencontrez ? Ah oui, non mais totalement, ouais, c'est agréable parce qu'il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de populations étrangères qui viennent et les gens s'attardent pour discuter, c'est vraiment très agréable. Ouais. Et les gens sont comment avec vous ? Ils sont souriants, agréables ou sont un petit peu fermes dans la négociation pour faire baisser le prix ? Ah, ils essayent toujours, hein, ça c'est sûr. Ah toujours ? Ah bien sûr, ouais. S'ils peuvent avoir le produit à 0 euros, ils y vont, hein, ils essayent. Mais bon, un petit sourire et voilà, ils comprennent que bon, on donne quand même, voilà, c'est pas énorme quoi. Voilà. Mais parfois vous baissez vraiment de beaucoup. Quel a été le prix le plus bas que vous avez proposé par rapport au prix de départ ? Là pour l'instant voilà, je fais tout à 1 euro là parce que c'est à fin d'après-midi et vous-même vous êtes dégoûté de voir partir une boîte à 1 euro. Mais voilà, non, c'est le plaisir de voir des gens et puis... Eh bien, vous garderez un bon souvenir de cette première édition pour vous puisque ici c'est la 25e édition, on l'a bien compris, de la fête des battages et de ce vide-grenier. Eh bien même pour le plaisir, j'espère qu'on vous retrouvera l'année prochaine ici à Varennes pour ce vide-grenier, Amélie. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Varennes. Alors aujourd'hui, vous êtes à la fête de Varennes-sur-Loire. Pourquoi vous avez choisi de venir à cette fête, madame ? Ah, parce que ça me fait une sortie. Une sortie ? Ben voilà. Et ben pourquoi pas ? Et vous habitez où ? Dans le bourg. Vous êtes une Varennaise ? Oui, oui, oui. Vous venez régulièrement à cette fête, tous les ans ? Ben, tous les ans, je viens voir la musique parce qu'il y a ma belle-fille et ma petite-fille qui jouent. Alors je viens les accompagner. Donc c'est une petite sortie sympathique pour vous, amusante. Et en plus, vous voyez la famille ? Oui, ben on voit la famille. Ben... Vous ne vous lassez pas ? Bon, non. De toute façon, quand on est tout seul, il faut sortir pour voir du monde, parce qu'autrement, on s'ennuie. Et on va suivre votre conseil, madame.